sérieux, je suis vraiment écœuré de ce P-Flow là. Je pense que je vais m'acheter un P-Flow qui a comme une un plastique dessus là. Parce que Chris elle vient tout trempe pis c'est pas très bon là. Je suis obligé d'aller travailler, fait que. En tout cas là, salut les amis, c'est Brian Channel. Il fait pas super beau aujourd'hui, hein? Je sais pas si la qualité, la GoPro va être tout embrouillée là. C'est vraiment pas sérieux là. J'ai baissé un peu ma caméra là, voir quoi ça va donner là, comme un peu Louis là. Sa caméra est comme par en bas. Je sais pas si ça va être mieux de même ou I don't know là. Hey, ma clutch elle donne des coups là, c'est dégueulasse. J'espère que vous allez bien en cette journée pluvieuse. On est à la fin du travail, mais moi, il faut que j'aille travailler. Travail en plonge, là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde en soir. Je voulais faire un petit scooter vlog, là. Je vois peut-être pas en faire un quand je vais terminer de travailler, là. Fait que c'est la routine plate un peu le matin. Fait que je fais... lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, congé, puis samedi, dimanche. En fait, je commence à 15h, puis je ferme la fermeture. Au moins, tu sais, c'est de la vie de la vaisselle, mais c'est pas au salaire minimum, là. C'est ça qui est le fun, là, mais en tout cas. On est rendu le 2 septembre, il commence à faire froid, l'été est fini bientôt. Ça veut dire qu'il va falloir que je prenne l'autobus bientôt, dans un mois et demi. Mais on va pouvoir faire quelques réparations sur mon scooter. Des ajouts, des réparations, puis faire un autre bel été de scooter. Ça, je vous le promets là. Puis c'est ça, en parlant là, de mon P-Flow, là, en fait, je vais vous mettre une image, là. J'ai vu ça hier sur Scooter Toning. Puis, tu sais, c'est comme un P-Flow, mais il y a comme genre un plastique dessus. Mais je sais pas, tu sais, vu qu'il va y avoir peut-être moins d'air qui va rentrer, ben, faut peut-être genre je rejette ou quoi de même, parce que je suis déjà jeté pour un P-Flow, mais... je veux dire, ici moi! Mais ici moi, ça c'est le fleuve, c'est. Mais c'est ça, je sais pas si je peux mettre ce P-Flow là sans rejeter. Parce que ça serait fucking nice d'avoir ce P-Flow là. L'eau elle rentrait pas mal moins que en ce moment là. Parce que c'est fatigant d'avoir le P-Flow tout trempe. Bon, ça donne vraiment des coups hein, quand je décolle là. On est rendu à 20 000, presque 200 km. Je roule vraiment beaucoup avec mon scooter. Là. Mon pneu en arrière, il est déjà sur la fesse quasiment. Hey, c'est froid, hein? J'ai mon deux manteaux que je gèle. Il doit faire genre 15 degrés d'ailleurs. Non, mais je suis vraiment pas fou, là, mais cette petite viaduc-là, là, ça fait tout début de l'été qu'il est en réparation. Genre mois de juin là. Je pense là, mais si moi là. Quelques personnes qui le savent. Ça s'est passé dans le coin ici, on allait travailler, puis ben, en fait, ça s'est passé jeudi, là, il y a 4 jours. Il y avait un char qui avançait pas, puis j'étais proche de lui quand même. Mais tu sais, pas trop proche, là, mais là, ben là, il y a une roche, une grosse roche qui est apparue, ben, qui a passé en dessous du char. Et ben, c'est ça, j'ai pas eu le temps de l'esquiver, puis j'ai tombé ici. Ça, j'ai été vraiment chanceux, j'ai rien eu. J'ai eu une petite blessure à la main, puis, ben, mettons, blessure de bicycle, là, vélo, là. Puis,
Puis ben, mon scooter, c'est tout sur le côté, c'était tout graffiné, la peinture, j'ai repeinturé ça, pété le plastique des flashers, mais ça je l'ai rangé. Puis je graffinais un petit peu l'exhaust, là, mais tu sais, c'est pas tant pire que ça, là, mais tu sais, pareil, ça fait chier. Top, puis tu sais, à ceux qui ont vu là sur mon Twitch, là, ben j'ai comme arrêté de faire des lives sur Twitch, là. Par contre, je vais pas arrêter à 100%, là, mais je prends juste une petite pause, là. Je vais reprendre quand je vais avoir tout mon setup au complet, nouveau PC, etc. Pas mal ça, là. Je voulais vous parler aussi que moi et Monsieur Flamingo, ben c'est fini. On n'est plus amis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Ben en fait, j'ai envoyé beaucoup de niaiseries sur Facebook, là. Mais j'ai tout été de même, là. Genre, plus d'eux, pis il prend mal, pis tu sais, j'essaie de l'aider beaucoup sur YouTube. Genre, tu sais, à la place d'acheter ça, achète ça. Tu sais, vraiment, si tu tiens vraiment à YouTube, ben tu sais, améliore un peu ton équipement, pis tout. Mais il se force pas. Tu sais, oui, il se force, mais tu sais, d'une autre façon, non, là. Tu sais, moi, c'est pas mal ça que j'ai fait, là. Je veux dire, mon équipement était vraiment dégueulasse dans le temps, pis j'ai travaillé, je me suis forcé pour acheter de l'équipement qui a de l'allure pour faire des bonnes vidéos, mais Flamingo a encore son équipement de genre depuis qu'il a commencé YouTube, mettons. Puis aussi, tu sais, ses vidéos manquent de montage un peu, ça pourrait être amélioré, mais il écoute pas, il prend pas la critique. Ou qui prend mal la critique, là, mais pis là, ben c'est ça, en fait, il était tout le temps en train de chialer sur Facebook, ah, oh, si ça, mauvais commentaire, mais là, tu sais, t'es sur Internet, là, pis c'est normal, pis faut pas prendre ça personnel, tu sais, moi, j'ai jamais pris ça personnel, là, tu sais, moi, je trouve ça drôle, tu sais, efface-les tes mauvais commentaires, ou laisse-les là, ris de lui, mais tu sais, enfin, un post Facebook, là, voyons donc, là. Là, ben là, à un moment donné, il a fait je vais faire un ménage à ma liste d'amis, Puis là, ben là, moi, je me suis mis à écrire Là, ben c'est ça, là. Il dit t'es-tu idiot, toi, Ben, regarde, Fait exprès aussi, là, mais regarde, Là, ben c'est ça, là, vu à mon accident de scout, j'avais fait un post sur Instagram, puis j'avais dit, parce que ville de BS, la roche avait pas d'affaires là, mais tu sais, eux, ils commencent à dire, ouais, mais c'est normal, là, qu'il y a des roches. Non, non, la grosseur de la roche, c'est pas normal que ça soit là, là. Come on, là, guys. Come on. OK? Là, ben après, il y a une autre personne qui a dit, ben là, t'as pas d'affaires sur les autoroutes en scooter, mais tu y vas pareil. Depuis quand je suis allé sur l'autoroute en scooter, c'était juste un titre putaclic. Oui, on voit le nom de l'autoroute. Mais j'ai pris toutes les... J'ai parlé à un policier, j'ai dit, j'ai du droit d'aller là. Il a dit, ouais, c'est même pas une autoroute considérée. C'est 90, c'est un chemin de campagne. C'est même pas une autoroute, c'est pas comme j'ai arrêté sur la capitale, là. T'sais? Là, ben après, il y a un Flamingo qui commence à dire, connaissez-vous l'idiot qui va sur l'autoroute en scooter? Oh mais putain, renseignez-vous les gars là! C'est même pas l'autoroute là! Come on là! Juste come on là! C'est vraiment ridicule là! Sérieusement là! Je voulais ça si vous avisez ça là, mais ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j'espère que tout est bien enregistré, tout est correct. Fait que moi je vous aime très fort, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Facebook, Instagram, puis Twitter. Puis faut faire attention, ici, ça fait moins, c'est glissant. Fait que on se voit dans un prochain scooter vlog. J'espère que le travail, ça va bien se passer. Fait que bye bye!